Eh bien bonjour à tous, c'est Baligo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo sur un joueur en particulier, une vidéo review sur le joueur Iñaki Williams. On verra plus en détail ce joueur dans la vidéo après. J'ai juste un petit message avant de commencer cette petite vidéo. J'aimerais faire un peu plus de vidéos sur FIFA Ultimate Team et j'ai envie de commencer en faisant cette petite vidéo spécialement sur Williams. Je ne sais pas si d'autres youtubeurs l'ont fait. Honnêtement, j'ai pas regardé et puis je m'en fiche un peu, j'ai envie de faire ce qu'il me plaît. Et du coup, je trouve que ce joueur est un joueur vraiment bon, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de crédit, tels que moi actuellement, parce que je débute dans ce FIFA Ultimate Team, j'ai pas eu trop eu le temps de m'y consacrer actuellement, et là ça y est, je commence un peu à geeker pas mal là-dessus, et du coup je l'ai acheté, et il est vraiment excellent, donc j'ai voulu faire une petite vidéo. Alors ne vous attendez pas à avoir du gros skill, hein. Je ne suis pas un joueur spécialisé dans le skill et dans les gestes techniques, je suis plutôt quelqu'un de posé qui aime construire son... construire ses actions tout simplement. Du coup, c'est parti pour cette petite vidéo sur Williams. Feu. Alors voici les notes du joueur Iñaki Williams, je vais passer très vite là-dessus, si vous voulez les voir plus en détail, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, à retenir qu'il a juste 84 de force, qui pour moi, pour un ailier, est très très important. Voilà pour les notes, il est aussi rapide dribbler, 4 étoiles de geste technique, 1m86, 22 ans seulement, il peut jouer attaquant droit comme attaquant gauche, voilà, c'est un très très bon joueur. Vous verrez qu'avec ce joueur, il est très facile de déborder sur les côtés pour pouvoir caler des petits centres. Ces 84 de force sont très utiles pour pouvoir éviter de se faire prendre la balle par un défenseur ou par un joueur adverse tout simplement. Niveau passe courte et vista, il possède 77 à la première note, 75 à la deuxième. Ce sont des notes assez bonnes pour un ailier, ce qui lui permettra de trouver facilement ses coéquipiers et pouvoir créer des occasions, faire des 1-2 également et pouvoir mettre des buts. Niveau placement offensif, ce joueur possède 76 de général, ce qui est pas mal pour se créer des occasions. La vitesse fera le reste, les dribbles également, ainsi que la force, pour pouvoir un peu tricoter dans la surface et pouvoir faire des petites frappes. En ce qui concerne les têtes, celui-ci possède 67, ce qui est assez light, mais possède également 84 en détente et mesure 1m86. Sa taille donc l'aidera énormément pour pouvoir placer des petites têtes et pouvoir donc du coup dominer dans la surface. Et enfin la finition qui est de 74, qui est peut-être un peu légère mais suffisante pour pouvoir marquer des buts. Maintenant je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour faire une conclusion sur ce joueur. A de suite. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. Got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know what I know, and I know what I know, we're perfect, you and I. And I know that I don't, and I don't, and I don't, giving up without a fight. What I feel, what I feel, I know it's right. Let us detonate tonight. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know what I know, and I know what I know, we're perfect, you and I. And I know that I know, and I don't, and I don't give it up. Pour terminer cette vidéo, je dirais que ce joueur possède un physique exceptionnel et qui vous sera d'une très très grande utilité offensivement. On peut voir qu'avec moi en 11 matchs, il a mis 7 buts, qui est plutôt pas mal, mais n'a fait qu'une seule passe décisive. Je ne l'ai peut-être pas assez bien utilisé sur les ailes pour pouvoir bien centrer pour le buteur.
mais ceci dit, celui-ci est quand même efficace offensivement en mettant 7 buts. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si celle-ci vous a plu et si vous en voulez d'autres. Principalement des joueurs, pas forcément de gros joueurs, plutôt des petits joueurs qui possèdent une qualité particulière sur laquelle on pourra bien s'appuyer. Allez, les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!